on danse dimanche, mais maintenant on parle théâtre. Une œuvre de Jean Genet à la télévision, c'est un événement, c'est même une première mondiale, car c'est la première fois que l'écrivain et l'auteur dramatique Jean Genet accepte de se laisser droit à une chaîne de télévision. Il l'a fait pour que Michel Dumoulin réalise un film avec Les Bonnes, et ça, c'est pour TF1. Les Bonnes, c'est une pièce, une tragédie même, que Jean Genet a créée en 1947 et qui met en scène trois personnages. La maîtresse, Maria Cazares, et deux bonnes, Francine Berger et Dominique Blanchard. Alors avant de vous laisser découvrir cette œuvre, sachez que Jean Genet est traduit dans une trentaine de langues et que depuis sa création, la pièce Les Bonnes a été jouée dans de très très nombreux pays. Après cette pièce, après ce film, à 23h50, Joseph Poli nous présentera une dernière. Et à minuit 10, on retrouvera Luce Perrault pour C'est à lire, qui reçoit ce soir Sylviane pour son livre Victorine ou le pain d'une vie, et en premier lecteur, Lionel Poilan. Pour l'instant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Voici Les Bonnes de Jean Genet, un film réalisé par Michel Dumoulin. Mais ces gants, ces éternels gants, je t'ai dit souvent de les laisser à la cuisine. C'est avec ça sans doute que tu espères séduire le laitier. Non. Non, ne mens pas, c'est inutile. Prends-les au-dessus de l'évier. Quand comprendras-tu que cette chambre ne doit pas être souillée? Tout, et tout ce qui vient de la cuisine est crachat. Sors et remporte tes crachats. Mais cesse. Ne te gêne pas, fais ta biche. Et surtout ne te presse pas, nous avons le temps. Sors. Préparez ma robe. Vite, le temps presse. Vous n'êtes pas là. Claire. Claire. Que madame m'excuse.
Je préparais le tilleul de madame. Disposez mes toilettes. La robe blanche pailletée. L'éventail, les émeraudes. Tous les bijoux de madame. Sortez-les, je veux choisir. Et naturellement, les souliers vernis, ceux que vous convoitez depuis des années. Pour votre noce, sans doute. Avouez qu'il vous a séduite, que vous êtes grosse. Avouez-le. Je vous ai dit, Claire, d'éviter les crachats. Qu'ils dorment en vous, ma fille, qu'ils y croupissent. Que le promeneur égaré s'y noie. Vous êtes hideuse, ma belle. Penchez-vous davantage et vous regardez dans mes souliers. Pensez-vous qu'il me soit agréable de me savoir le pied enveloppé par les voiles de votre salive, par la brume de vos marécages? Je désire que madame soit belle. Vous me détestez, n'est-ce pas? Vous m'écrasez sous vos prévenances, sous votre humilité, sous les glycines et le réséda. On s'encombre inutilement. Il y a trop de fleurs. C'est mortel. Je serai belle. Plus que vous ne le serez jamais. Car ce n'est pas avec ce corps et cette face que vous séduirez Mario. Ce jeune laitier ridicule vous méprise et s'il vous a fait un gosse... Oh, mais jamais, taisez-vous, jamais, idiote. Jamais. Ma robe. La robe rouge. Madame mettra la robe rouge. J'ai dit la blanche. À paillettes. Madame portera ce soir la robe de velours écarlate. Pourquoi ? Il est impossible d'oublier la poitrine de madame, sous le drapé de velours. Quand madame soupire et parle à monsieur de mon dévouement. Une toilette noire servirait mieux votre veuvage. Comment ? Dois-je préciser ? Oh, tu veux parler ? Parfait. Menace-moi ! Insulte ta maîtresse ! Solange, tu veux parler, n'est-ce pas, des malheurs de monsieur ? Sotte. Ce n'est pas l'instant de le rappeler, mais de cette indication, je vais tirer un parti magnifique. Tu souris ? Tu en doutes ? C'est pas le moment d'exhumer. Mon infamie ? Mon infamie ! D'exhumer ! Quel mot ! Madame. Je vois où tu veux en venir. J'écoute bourdonner déjà tes accusations. Depuis le début, tu m'injuries. Tu cherches l'instant de me cracher à la face. Madame, madame, nous n'en sommes pas encore là. Si monsieur... Monsieur est en prison, c'est grâce à moi.
Ose le dire, ose. Fais ton franc-parler, parle. J'agis en dessous, camouflé par mes fleurs. Mais tu ne peux rien contre moi. Le moindre mot vous paraît une menace. Que madame se souvienne que je suis la bonne. Pour avoir dénoncé monsieur à la police, avoir accepté de le vendre, je vais être à ta merci. Et pourtant, j'aurais fait pire. Mieux. Crois-tu que je n'ai pas souffert, Claire? J'ai forcé ma main du temps. Je l'ai forcée. Lentement, fermement, sans erreur, sans rature, à tracer cette lettre qui devait envoyer mon amant au bagne. Et toi, plutôt que me soutenir, tu me nargues. Tu parles de veuvage. Monsieur n'est pas mort, Claire, monsieur. De bagne en bagne, sera conduit jusqu'à la Guyane, peut-être, et moi, sa maîtresse, folle de douleur. Je l'accompagnerai. Je serai du convoi. Je partagerai sa gloire. Tu parles de veuvage. La robe blanche est le deuil des reines, Claire, tu l'ignores. Tu me refuses la robe blanche? Madame portera la robe rouge. Bien. Passez-moi la robe. Je suis bien seule et sans amitié. Je vois dans ton œil que tu me hais. Je vous aime. Comme on aime sa maîtresse, sans doute. Tu m'aimes et me respectes et tu attends ma donation. Le codicille en ta faveur. Je ferai l'impossible. Je sais. Tu me jetterais au feu. Agrafé. Tirez moins fort. N'essayez pas de me ligoter. Évitez de me frôler. Reculez-vous, vous sentez le fauve. De quelle infecte soupente où la nuit les valets vous visitent, rapportez-vous ces odeurs. La soupente. La chambre des bonnes. La mansarde. C'est pour mémoire que je parle de l'odeur des mansardes, Claire. Là. Là, les deux lits de fer, séparés par la table de nuit. Là, la commode en piche-pain avec le petit autel à la Sainte Vierge. C'est exact, n'est-ce pas? Nous sommes malheureuses, j'en pleurerai. C'est exact. Passons sur nos dévotions à la Sainte Vierge en plâtre. Sur nos agenouillements, nous ne parlerons même pas des fleurs en papier. En papier. La branche de buis béni. Regarde ces corolles ouvertes en mon honneur. Je suis une vierge plus belle, Claire. Taisez-vous. Et là, la fameuse lucarne par où le laitier demi-nu saute jusqu'à votre lit. Madame s'égare, madame. Vos mains? N'égarez pas vos mains. Vous l'ai-je assez murmuré, elles empestent l'évier. La chute. Hein? La chute. J'arrange votre chute d'amour. Écartez-vous. Frôleuse. Voleuse, moi! Je dis frôleuse. Si vous tenez à pleurnicher, que ce soit dans votre mansarde, je n'accepte ici dans ma chambre que des larmes nobles. Le bas de ma robe, certains jours, en sera constellé. Mais de larmes précieuses. Disposez la traîne.
Traînez. Madame s'emporte. Dans ses bras parfumés. Le diable m'emporte. Il me soulève, je décolle, je pars. Et je reste. Le collier. Mais dépêche-toi, nous n'aurons pas le temps. Si la robe est trop longue, fais un ourlet. Avec des épingles de nourrice. Tenez vos mains loin des miennes, votre contact est immonde. Dépêchez-vous. Faut pas exagérer. Vos yeux s'allument. Vous éteignez la rive. Vous dites. Les limites, les bornes, madame. Il faut garder vos distances. Quel langage, ma fille. Claire. Tu te venges, n'est-ce pas? Tu sens approcher l'instant où tu quittes ton rôle. Madame me comprend à merveille. Madame me devine. Tu sens approcher l'instant où tu ne seras plus la bonne. Venger. Tu t'apprêtes. Tu aiguises tes ongles. La haine te réveille. Claire. N'oublie pas. Claire, tu m'écoutes? Mais Claire, tu ne m'écoutes pas. Je vous écoute. Par moi? Par moi seule, la bonne existe. Par mes cris et par mes gestes. Je vous écoute. C'est grâce à moi que tu es, tu me nargues. Tu ne peux pas savoir comme il est pénible d'être madame. Claire. D'être le prétexte à vos simagrées. Il me suffirait de si peu et tu n'existerais plus. Mais... je suis bonne. Et je suis... et je te défie! Mon désespoir d'amante m'embellit encore. Votre amant? Mon malheureux amant sert encore ma noblesse, ma fille. Je grandis davantage pour te réduire et t'exalter. Je les appelle à toutes tes ruses. Il est temps. Assez! Dépêchez-vous. Vous êtes prête? Et toi? Je suis prête. J'en ai assez d'être un objet de dégoût. Moi aussi, je vous hais. Doucement, mon petit. Doucement. Je vous hais. Je vous méprise. Vous ne m'intimidez plus. Réveillez le souvenir de votre amant. Qu'il vous protège. Je vous hais. Je hais. Votre poitrine pleine de souffle, embaumée. Votre poitrine d'ivoire. Vos cuisses d'or, vos pieds d'ambre. Je vous hais. Mais... oui, madame, ma belle madame. Vous croyez que tout vous sera permis jusqu'au bout? Vous croyez pouvoir dérober la bonté du ciel et m'en priver. Choisir vos parfums, vos poudres, vos rouges à ongles, la soie, le velours, la dentelle, et m'en priver. Et me prendre le laitier. Avouez. Avouez le laitier. Sa jeunesse, sa fraîcheur vous trouble, n'est-ce pas? Avouez le laitier. Car. Solange vous emmerde! Claire. Claire. Hein? Claire, Solange, Claire! Ah oui, Claire! Claire vous emmerde! Claire est là! Plus claire que jamais! Lumineuse!
Madame se croyait protégée par ces barricades de fleurs, sauvée par un exceptionnel destin, par le sacrifice. C'était compté sans la révolte des bonnes. La voici qui monte, madame. Elle va crever et dégonfler votre aventure. Ce monsieur n'était qu'un triste voleur. Et vous, je t'interdis. M'interdire? Plaisanterie. Madame est interdite. Son visage se décompose. Vous désirez un miroir? J'y suis plus belle. Le danger m'auréole, Claire, et toi, tu n'es que ténèbres. Infernal, je sais. Je connais la tirade. Je lis sur votre visage ce qu'il faut vous répondre. Et j'irai jusqu'au bout. Les deux bonnes sont là. Les dévouées servantes. Devenez plus belles pour les mépriser. Nous ne vous craignons plus. Nous sommes enveloppés, confondus dans nos exhalaisons, dans nos fastes, dans notre haine pour vous. Nous prenons forme, madame. Ne riez pas. Oh, surtout ne riez pas de ma grandiloquence. Allez-vous-en. Pour vous servir encore, madame. Je retourne à ma cuisine. Je retrouve mes gants et l'odeur de mes dents. Le rose silencieux de l'évier. Vous avez vos fleurs. J'ai mon évier. Je suis la bonne. Au moins, vous pouvez pas me souiller. Mais vous ne l'emporterez pas en paradis. J'aimerais mieux vous y suivre que de lâcher ma haine à la porte. Riap! Priez! Et priez vite, très vite! Vous êtes au bout du rouleau, ma chère! Ah, bas les pattes! Et découvrez ce cou fragile! Allez, ne tremblez pas, ne frissonnez pas, je perds vite en silence! Oui, je vais retourner à ma cuisine! Mais avant. Je termine ma besogne! Déjà? Dépêchons-nous. Madame va rentrer. Aide-moi. C'est déjà fini et tu n'as pas pu aller jusqu'au bout. Chaque fois pareil, par ta faute. Tu n'es jamais prête assez vite. Pour t'achever. Ce qui nous prend du temps, c'est les préparatifs. Marc. Surveille la fenêtre. Remarque que nous avons de la marge. Je vais remonter le réveil de façon qu'on puisse tout ranger. Il fait lourd ce soir. Il a fait lourd toute la journée. Cela nous tue, Claire. Oui. C'est l'heure. Je vais préparer la tisane. Surveille la fenêtre. On a le temps. Tu te regardes encore, Claire. Mon petit. Je suis lasse. Mais qu'est-ce que tu as? Tu peux te ressembler maintenant.
Prends ton visage. Allons, Claire. Redeviens ma sœur. Je suis debout. La lumière m'assomme. Tu crois que les gens d'en face... Qu'est-ce que ça peut nous faire? Il faudra pas qu'on s'organise dans le noir. Ferme les yeux. Ferme les yeux, Claire. Repousse-toi. Quand je dis que je suis là, c'est une façon de parler. N'en profite pas pour me plaindre. Cherche pas à me dominer. Je voudrais que tu te reposes. C'est surtout quand tu te reposes que tu m'aides. Je te comprends, ne t'explique pas. Si ? Je m'expliquerai. C'est toi qui as commencé. Et d'abord en faisant cette allusion au laitier. Tu crois que je t'ai pas deviné? Si Mario, si le laitier me dit des grossièretés le soir, il t'en dit autant. Mais tu étais bien heureuse de pouvoir... Il ferait mieux de voir si tout était en ordre. Regarde. La clé du secrétaire était placée comme ceci. Et sur les dahlias et les roses, il est impossible, comme dit monsieur, tu de étais ne bien pas heureuse de pouvoir découvrir un cheveu de l'une de l'autre bonne. Et les détails de notre vie privée avec... 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 Avec quoi? Donne un nom. Donne un nom à la chose. La cérémonie. D'ailleurs, nous n'avons pas le temps de commencer une discussion. Elle va rentrer. Mais Solange, nous la tenons cette fois. Je t'envie d'avoir vu sa tête en apprenant l'arrestation de son amant. Pour une fois, j'ai fait du beau travail. Tu le reconnais. Sans moi, sans ma lettre de dénonciation, tu n'aurais pas eu ce spectacle. L'amant avec les menottes et madame en larmes. Elle peut en mourir. Ce matin, elle ne tenait plus debout. Tant mieux qu'elle en claque. Et que j'hérite à la fin. Ne plus remettre les pieds dans cette mansarde sordide. Entre ces imbéciles. Entre une cuisinière et un valet de chambre. Moi, je l'aimais. Notre mansarde. Ne t'attendris pas. Tu l'aimes pour me contredire, moi qui la hais. Je la vois telle qu'elle est, sordide et nue. Dépouillée, comme dit madame. Ben quoi, nous sommes dépouilleuses. Non, non, ne recommence pas. Regarde plutôt à la fenêtre. Moi, je ne peux rien voir, la nuit est trop noire. Que je parle, que je me vide. J'ai aimé la mansarde. Parce que sa pauvreté m'obligeait à de pauvres gestes. Pas de tentures à soulever, de tapis à fouler, de meubles à caresser, de l'œil ou du torchon. Pas de glace, pas de balcon. Rien ne nous forçait à un geste trop beau. Mais rassure-toi, tu pourras continuer en prison à faire ta souveraine, ta Marie-Antoinette, te promener la nuit dans l'appartement. Tu es folle. Jamais je ne me suis promenée dans l'appartement. Mademoiselle ne s'est jamais promenée. Enveloppée dans les rideaux ou le couvre-lit d'un hôtel, n'est-ce pas? Se contemplant dans les miroirs, se pavanant au balcon et saluant à 2 heures du matin le peuple accouru défiler sous ses fenêtres. Jamais, non, jamais. La nuit est trop noire pour épier madame. Sur ton balcon, tu te croyais invisible. Pour qui me prends-tu? N'essaie pas de me faire croire que tu es somnambule. Au point où nous en sommes, tu peux avouer. Mais Solange, tu cries. Parle plus bas, je t'en prie. Madame peut rentrer en sourdine. Laisse les rideaux, je n'aime pas te voir les soulever de cette façon. Laisse-les retomber.
Le matin de son arrestation, quand il épiait les policiers, monsieur faisait comme toi. Le moindre geste paraît un geste d'assassin qui veut s'enfuir par l'escalier de service. Tu as peur maintenant. Ironise. Afin de m'exciter. Ironise, va. Personne ne m'aime. Personne ne nous aime. Elle, elle nous aime. Elle est bonne. Elle nous adore. Elle nous aime comme ses fauteuils. Et encore. Comme la faïence rose de ses latrines. Comme son bidet. Mais nous ne pouvons pas nous aimer. La crasse n'aime pas la crasse. Et tu crois que je vais en prendre mon parti? Continuer ce jeu? Et le soir, rentrer dans mon lit cage? Pourrons-nous même le continuer, le jeu? Et moi? Si je n'ai plus à cracher sur quelqu'un qui m'appelle Claire, mes crachats vont m'étouffer! Mon jet de salive! C'est mon aigrette de diamant! Parle plus doucement, je t'en prie. Parle de la bonté de madame. Elle dit... Diams. Sa bonté, c'est Diams! C'est facile d'être bonne et souriante et douce quand on est belle et riche. Mais être bonne quand on est une bonne. On se contente de parader pendant qu'on fait le ménage ou la vaisselle. On brandit un plumeau comme un éventail. On a des gestes élégants avec la serpillière. Mais on va comme toi, s'offrir la nuit le luxe d'un défilé historique dans les appartements de madame. Solange, encore. Tu cherches quoi? Tu penses que tes accusations vont nous calmer? Sur ton compte. Je pourrais en raconter de plus belle. Toi? Toi? Parfaitement. Si je voulais. Parce qu'enfin, après tout... Tout, après tout? Qu'est-ce que tu insinues? C'est toi qui as parlé de cet homme. Claire, je te hais. Et je te le rends. Mais je n'irai pas chercher le prétexte d'un laitier pour te menacer. De nous deux qui menacent l'autre, hein? Tu hésites. Essaie d'abord. Tire la première. Et toi qui recules, Solange, tu n'oses pas m'accuser du plus grave. Mes lettres à la police. La mansarde a été submergée sous mes essais d'écriture, sous des pages et des pages. J'ai inventé les pires histoires et les plus belles dont tu profitais hier soir quand tu faisais madame. Dans la robe blanche, tu jubilais. Tu jubilais. Tu te voyais déjà montant en cachette sur le bateau des déportés. Sur le... Le Lamartinière. Tu accompagnais monsieur, ton amant. Tu fuyais la France. Tu partais pour l'île du diable, ou pour la Guyane, avec lui. Un beau rêve. Parce que j'avais le courage d'envoyer mes lettres anonymes, tu te payais le luxe d'être une prostituée de haut vol. Une étaïre. Tu étais heureuse de ton sacrifice. De porter la croix du mauvais larron. De lui torcher le visage, de le soutenir, de te livrer au chiourme, pour que lui soit accordé un léger soulagement. Et toi, tout à l'heure, quand tu parlais de le suivre... Je ne le nie pas. J'ai appris l'histoire où tu l'avais lâché.
mais avec moins de violence que toi. Dans la mansarde, déjà, au milieu des lettres, le tangage te faisait chalouper. Tu ne te voyais pas. Oh, si. Je peux me regarder dans ton visage et voir les ravages qui fait notre victime. Je suis maintenant derrière les verrous. Réjouissons-nous. Au moins, nous éviterons ses moqueries. Et tu seras plus à ton aise pour te prélasser sur sa poitrine. Tu inventeras mieux son torse et ses jambes. Tu épieras sa démarche. Le tangage te faisait chalouper. Déjà, tu t'abandonnais à lui. Au risque de nous perdre. Comment ? Je précise. Perdre. Pour écrire mes lettres de dénonciation à la police, il me fallait des faits. Citer des dates. Et comment m'y prendre, hein ? Souviens-toi. Ma chère, votre confusion rose est ravissante. Tu as honte. J'étais là pourtant. J'ai fouillé dans les papiers de madame. Et j'ai découvert la fameuse correspondance. Et après ? Oh, mais tu m'agaces à la fin. Après ? Eh bien, après, tu as voulu conserver les lettres de monsieur. Et hier soir encore, dans la mansarde, il restait une carte de monsieur adressée à madame. Je l'ai découverte. Tu fouilles dans mes affaires, toi ? C'est mon devoir. À mon tour de m'étonner de tes scrupules ? Je suis prudente. Pas scrupuleuse. Je risquais tout. En m'agenouillant sur le tapis pour forcer la serrure du secrétaire, pour façonner une histoire vraie avec des matériaux exacts, toi, enivré par l'espoir d'un amant coupable, criminel et banni, tu m'abandonnais. J'avais placé un miroir de façon à voir la porte d'entrée. Je faisais le guet. Ce n'est pas vrai. Je remarque tout. Je t'observe depuis longtemps. Avec ta prudence coutumière, tu étais restée à l'entrée de l'office, prête à bondir, au fond de la cuisine, à l'arrivée de madame. Tu mens, Claire. Je surveillais le corridor. C'est fou. Il s'en est fallu de peu que madame ne me trouve au travail. Toi, sans t'occuper si mes mains tremblaient en fouillant les papiers, toi, tu étais en marche. Tu traversais les mers. Tu forçais l'équateur. Mais toi-même, tu as l'air de ne rien savoir de tes extases. Claire, ose dire que jamais tu n'as rêvé d'un bagnard. Que jamais tu n'as rêvé précisément de celui-là. Ose dire que tu ne l'as pas dénoncé justement. Justement, quel beau mot. Afin qu'il serve ton aventure secrète. Je sais ça et davantage. Je suis la plus lucide. Et l'histoire, c'est toi qui l'as inventée. Tourne ta tête. Ah, si tu te voyais, Solange. Le soleil de la forêt vierge illumine encore ton profil. Tu prépares l'évasion de ton amant. Comme tu te travailles. Et rassure-toi. Je te hais pour d'autres raisons. Tu les connais ? Je ne te crains pas. Je ne doute pas de ta haine, de ta fourberie. Mais fais bien attention. C'est moi l'aînée. Qu'est-ce que ça veut dire, l'aînée ? Et la plus forte ? Tu m'obliges à te parler de cet homme pour mieux détourner mon regard. Allons donc. Tu crois que je ne t'ai pas découverte ? Tu as essayé de la tuer ? Tu m'accuses. Ne nie pas, je t'ai vue. Et j'ai eu peur. Peur, Solange. Quand nous accomplissons la cérémonie, je protège mon cou. C'est moi que tu vises à travers madame. C'est moi qui suis en danger. Oui, j'ai essayé.
J'ai voulu te délivrer. J'en pouvais plus. J'étouffais de te voir étouffer, rougir, verdir, pourrir, dans l'aigre et le doux de cette femme. Tu as raison, reproche-le-moi. Je t'aimais trop. Tu aurais été la première à me dénoncer si je l'avais tuée. C'est par toi que j'aurais été livrée à la police. Solange. Il s'agit de moi. Solange, ma petite sœur, j'ai tort. Elle va rentrer. J'ai tué personne. J'ai été lâche, tu comprends? J'ai fait mon possible. Mais elle s'est retournée en dormant. Elle respirait doucement, elle gonflait les draps. C'était madame. Tais-toi! Pas encore. Tu as voulu savoir. Attends. Je vais t'en raconter d'autres. Tu connaîtras comme elle est faite, ta sœur. De quoi elle est faite? Ce qui compose une bonne. J'ai voulu l'étrangler. Pense au ciel. Pense au ciel. Pense à ce qu'il y a après. Que dalle. J'en ai assez de m'agenouiller sur des bancs. À l'église, j'aurais eu le velours rouge des abbesses ou la pierre des pénitentes. Mais au moins noble serait mon attitude. Vois comme elle souffre bien, elle. Comme elle souffre en beauté. La douleur la transfigure. En apprenant que son amant était un voleur, elle tenait tête à la police. Elle exultait. Maintenant, c'est une abandonnée magnifique. Soutenue sous chaque bras par deux servantes, attentive et désolée par sa peine. Tu l'as vue ? Peine étincelante des feux de ses bijoux, du satin, de ses robes, des lustres. Claire, la beauté de mon crime devait racheter la pauvreté de mon chagrin. Après, j'aurais mis le feu! Calme-toi, Solange! Le feu pouvait ne pas prendre. On t'aurait découverte. Tu sais ce qui attend les incendiaires? Je sais tout. J'ai eu l'œil et l'oreille aux serrures. J'ai écouté aux portes plus qu'aucune domestique. Je sais tout. Incendiaire! C'est un titre admirable. Tais-toi, tu m'étouffes. J'étouffe. Laissez entrer un peu d'air ici. Que veux-tu faire? Ouvrir. Toi aussi. Depuis longtemps, j'étouffe. Depuis longtemps, je voulais mener le jeu à la face du monde. Hurler ma vérité sur les toits. Descendre dans la rue sous les apparences de madame. Tais-toi. Je voulais dire... C'est trop tôt, tu as raison. Laisse la fenêtre. Ouvre les portes de l'antichambre et de la cuisine. Toute seule? Attends, alors attends qu'elle vienne. Elle apporte son étole, ses perles, ses larmes, ses sourires, ses soupirs, sa douceur. Monsieur? C'est monsieur. C'est Claire, monsieur.
Bien, j'avertirai madame. Madame sera heureuse de savoir monsieur en liberté. Bien, monsieur, je vais noter. Monsieur attend madame au Bilboquet. Bien. Bonsoir, monsieur. Il est sorti? Le juge le laisse en liberté provisoire. Mais alors... Tout casse. Tu le vois bien. Les juges ont eu le toupet de le lâcher. Mais on bafoue la justice, on nous insulte. Si monsieur est libre, il voudra faire une enquête. Il fouillera la maison pour découvrir la coupable. Je me demande si tu saisis la gravité de la situation. J'ai fait ce que j'ai pu. À nos risques et périls. Tu as bien travaillé, mes compliments. Tes dénonciations, tes lettres, tout marche admirablement. Et si on reconnaît ton écriture, c'est parfait. Et pourquoi va-t-il au Bilboquet d'abord et pas ici? Tu peux l'expliquer? Puisque tu es si habile, il fallait réussir ton affaire avec madame. Mais tu as eu peur. L'air était parfumé, le lit tiède, c'était madame. Il nous reste à continuer cette vie. Reprendre le jeu. Le jeu est dangereux. Je vois une foule de traces que je ne pourrai jamais effacer. Et elle... Elle se promène au milieu de cela qu'elle apprivoise. Elle le déchiffre. Elle pose le bout de son pierrot sur nos traces. L'une après l'autre, elle nous découvre. Par ta faute, madame se moque de nous. Madame sort à tout. Elle n'a qu'à sonner pour être servie. Elle saura que nous mettions ses robes, que nous volions ses gestes. Que nous embobinions son amant de nous simagrer. Tout va parler, Claire. Tout nous accusera. Les rideaux marqués par tes épaules, les miroirs par mon visage, la lumière qui avait l'habitude de nos folies, la lumière va tout avouer. Par ta maladresse, tout est perdu. Tout est perdu parce que tu n'as pas eu la force pour... Pour la tuer. Il faut encore trouver la force qu'il faut. Où? Où? Tu n'es pas aussi au-delà que moi. Tu ne vis pas au-dessus de la cime des arbres. Un laitier traversant ta tête te bouleverse. C'est de n'avoir pas vu sa figure, Claire. D'avoir été tout à coup si près de madame parce que j'étais près de son sommeil. Je perdais mes forces. Il fallait relever le drap que sa poitrine soulevait pour trouver la gorge. Et les draps étaient tièdes, la nuit noire. C'est en plein jour qu'on fait ces coups-là. Tu es incapable d'un acte aussi terrible. Mais moi, je peux réussir, je suis capable de tout. Tu le sais. Le gardénal. Oui. Parlons paisiblement. Essayez de me dominer. Mais Claire... Pardon, je sais ce que je dis. Je suis Claire. Et prête. J'en ai assez. Assez d'être l'araignée. Le fourreau de parapluie. La religieuse sordide et sans Dieu. En famille. J'en ai assez d'avoir un fourneau comme hôtel. Je suis la pimbèche, la putride.
tes yeux aussi. Claire, nous sommes nerveuses. Madame n'arrive pas. Moi aussi, j'en peux plus de notre ressemblance, j'en peux plus de mes mains, de mes cheveux, de mes bas noirs. Je te reproche rien, ma petite sœur, tes promenades te soulageaient. Ah, laisse. J'aurais t'aidé, j'aurais te consolé, mais je sais que je te dégoûte. Je te répugne. Et je le sais puisque tu me dégoûtes. S'aimer dans le dégoût, c'est pas s'aimer. C'est trop s'aimer. Mais j'en ai assez de ce miroir effrayant qui me renvoie à mon image comme une mauvaise odeur. Tu es ma mauvaise odeur. Eh bien, je suis prête. J'aurai ma couronne. Je pourrai me promener dans les appartements. Nous pouvons tout de même pas la tuer pour si peu. Vraiment? Mais pas assez? Ce soir, madame assistera à notre confusion en riant aux éclats, en riant parmi ses pleurs, avec ses soupirs épais. Non, j'aurai ma couronne. Je serai cette empoisonneuse que tu n'as pas su être. À mon tour de te dominer. Mais jamais. Passe. Les carreaux. Fini. C'est fini. Hein? J'oubliais. Ferme le robinet. C'est fini. Je disposerai du monde. Ma petite sœur. Tu m'aideras. Tu ne sauras pas quel geste faire. Les choses sont plus simples, plus graves, Claire. Je serai soutenue par le bras solide du laitier. Il ne flanchera pas. J'appuierai ma main gauche sur sa nuque. Tu m'aideras. Et s'il faut aller plus loin, Solange, si je dois partir pour le bagne, tu m'accompagneras. Tu monteras sur le bateau. Solange, à nous deux, nous serons ce couple éternel. Sauvé, Solange. Je te jure. Sauvé. Calme-toi. Je vais te porter là-haut. Tu vas dormir. Fais de l'ombre. Fais un peu d'ombre, je t'en supplie. Repousse-toi. Pose-toi, ma petite sœur. Calme-toi, mon chien. Pose tes pieds là. Ferme les yeux. J'ai honte, Solange. Ne parle pas. Laisse-moi faire. Je vais t'endormir. Quand tu dormiras, je te porterai là-haut dans la mansarde. Je te déshabillerai. Je te coucherai dans ton lit cage. Dors. Je serai là. J'ai honte, Solange. Chut. Laisse-moi te raconter une histoire. Mon ange. Solange. Écoute. Dors. Quels beaux cheveux. Quels beaux cheveux. Les siens. Ne parle plus d'elle. Les siens sont faux. Les deux sous l'arbre, pieds au soleil. Solange. Dors, je suis là.
Je suis ta grande sœur. Non. Non. Pas de faiblesse. Allume. Allume. Maman est trop beau. Debout. Et mangeons. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine, hein? Il faut manger. Pour être forte. Viens, tu vas me conseiller. Le cardinal. Oui, le cardinal. Le cardinal. Ne fais pas cette tête. Il faut être joyeuse. Et chanter. Chantons. Chante. Comme quand tu iras mendier dans les cours et les ambassades. Il faut rire. Sinon le tragique va nous faire nous envoler par la fenêtre. Tu es sûre de tenir le coup? Il en faut combien? Les en 10, dans son tilleul. 10 cachets de cardinal. Mais tu n'oseras pas. J'ai le tube sur moi. 10. 10. 9 ne suffirait pas davantage, la ferait vomir. 10. Fais le tilleul très fort. Tu as compris? Oui. Très sucré! D'un ton débilitant et du réséda. Ces folles doivent courir les halles avant le jour pour les acheter moins cher. Tant de sollicitude, ma chère Solange, pour une maîtresse indigne. Et tant de roses pour elle. Quand monsieur est traité comme un criminel. Car, Solange, à ta sœur et à toi, je vais encore donner une preuve de confiance. Car, je n'ai plus d'espoir. Cette fois, monsieur est bel et bien incarcéré. Incarcéré, Solange. Incarcéré. Et dans des circonstances infernales. Que réponds-tu à cela? Voilà ta maîtresse mêlée à la plus sordide affaire et la plus sotte. Monsieur est couché sur la paille. Et vous m'élevez un reposoir. Madame ne doit pas se laisser aller.
Les prisons ne sont plus comme sous la Révolution. La paille humide et cachot n'existe plus, je le sais. N'empêche que mon imagination invente les pires tortures. Ah, monsieur. Les prisons sont pleines de criminels dangereux. Et monsieur, qui est la délicatesse même, vivra avec eux. Je meurs de honte. Alors qu'il essaie de s'expliquer son crime, moi, je m'avance au milieu d'un parterre, sous des tonnelles, avec le désespoir dans l'âme. Je suis brisé. Vos mains sont gelées. Je suis brisé. Chaque fois que je rentrerai, mon cœur battra avec cette violence. Terrible. Et un beau jour, je m'écroulerai, morte sous vos fleurs. Puisque c'est mon tombeau que vous préparez, puisque depuis quelques jours vous accumulez dans ma chambre des fleurs funèbres. Oui, j'ai eu très froid. Mais je n'aurai pas le toupet de m'en plaindre. Toute la soirée, j'ai traîné dans les couloirs. J'ai vu des hommes glacés, des visages de marbre, des têtes de cire. Mais j'ai pu apercevoir, monsieur, oh, de très loin, du bout des doigts, j'ai fait un signe. Gendarmes. Des gendarmes? Madame est sûre? Ce sont plutôt des gardes. Et tu connais des choses que j'ignore. Gardes ou gendarmes? Ils ont emmené monsieur. Je quitte à l'instant la femme d'un magistrat. Claire! Elle prépare le tilleul de madame. Mais qu'elle se presse! Oh, pardon. Ma petite Solange. Oh, pardonne-moi. J'ai honte de réclamer du tilleul quand monsieur est seul, sans nourriture, sans tabac, sans rien. Les gens ne savent pas assez ce qu'est la prison. Il manque d'imagination. J'allais trop. Ma sensibilité m'a fait souffrir. Atrocement. Vous avez de la chance, Claire et toi, d'être seuls au monde. L'humilité de votre condition vous épargne. Quel malheur! On s'apercevra vite que monsieur est innocent. Il l'est. Il l'est. Mais innocent ou coupable, je ne l'abandonnerai jamais. Et voici à quoi on reconnaît son amour pour un être. Monsieur n'est pas coupable, mais s'il l'était, je deviendrais sa complice. Je l'accompagnerai jusqu'à la Guyane, jusqu'en Sibérie. Je sais qu'il s'en tirera. Et au moins, par cette histoire imbécile, m'est-il donné de prendre conscience de mon attachement à lui et cet événement destiné à nous séparer nous lie davantage et me rend presque plus heureuse.
d'un bonheur monstrueux. Monsieur n'est pas coupable, mais s'il l'était, avec quelle joie j'accepterais de porter sa croix. D'étape en étape, de prison en prison, et jusqu'au bagne, je le suivrai. À pied, s'il le faut. Jusqu'au bagne, Solange. Oh, que je fume. Une cigarette. Vous ne le permettrez pas, les épouses des bandits, ou leurs sœurs, ou leurs mères ne peuvent même pas les suivre. Un bandit? Et quel langage, ma fille! Et quelle science! Un condamné n'est plus un bandit. Ensuite, je forcerai les consignes. Et Solange, j'aurai toutes les audaces, toutes les ruses. Madame est courageuse. Tu ne me connais pas encore. Jusqu'à présent, vous avez vu ta sœur et toi une femme entourée de soins et de tendresse, se préoccuper de ses tisanes et de ses dentelles. Mais depuis longtemps, je viens d'abandonner mes manies. Je suis forte et prête pour la lutte. D'ailleurs, monsieur ne risque pas l'échafaud. Mais il est bien que je m'élève à ce même niveau. J'ai besoin de cette exaltation pour penser plus vite et besoin de cette vitesse pour regarder mieux. Grâce à quoi je percerai peut-être cette atmosphère d'inquiétude où je m'avance depuis ce matin. Grâce à quoi je devinerai peut-être ce qu'est cette police infernale disposant chez moi d'espions mystérieux. Il ne faut pas s'affoler. J'ai vu acquitter des cas plus graves aux assises d'Aix-en-Provence. Des cas plus graves? Que sais-tu de son cas? Moi, rien. C'est d'après ce qu'en dit madame. J'estime qu'il ne peut s'agir que d'une affaire sans danger. Mais tu bafouilles. Et que sais-tu des acquittements? Tu fréquentes les assises, toi? Je lis les comptes rendus. Je vous parle d'un homme qui avait commis quelque chose de pire. Enfin... Le cas de monsieur est incomparable. On l'accuse de vol idiot. Tu es satisfaite? Le vol idiot. Idiot. Comme les lettres de dénonciation qui l'ont fait arrêter. Madame devrait se reposer. Et je ne suis pas lasse. Cessez de me traiter comme une impotente. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la maîtresse qui vous permettait de conseiller et d'entretenir sa paresse. Ce n'est pas moi qu'il faut plaindre. Vos gémissements me seraient insupportables. Votre gentillesse m'agace et m'accable. Elle m'étouffe. Votre gentillesse, qui depuis des années n'a jamais vraiment pu devenir affectueuse. Et ces fleurs qui sont là pour fêter juste le contraire d'une noce. Il vous manquait de faire du feu pour me chauffer. Est-ce qu'il y a du feu dans sa cellule? Il n'y a pas de feu, madame. Et si madame veut dire que nous manquons de discrétion? Je ne veux rien dire de pareil. Madame désire voir les comptes de la journée? En effet. Tu es inconsciente. Crois-tu que je la tête aux chiffres? Mais enfin, Solange, me mépriserais-tu assez que tu me refuses toute délicatesse? Parler de chiffres, de livres de comptes, de recettes de cuisine.
d'office et de bas office, quand j'ai le désir de rester seul avec mon chagrin. Convoque les fournisseurs pendant que tu y es. Comprenons le chagrin de madame. Non que je veuille tendre de noir l'appartement, mais enfin... La doublure est déchirée, je la donnerai au fourreur demain. Si tu veux. Encore que ce ne soit guère la peine. Maintenant, j'abandonne mes toilettes. D'ailleurs, je suis une vieille femme. N'est-ce pas, Solange, que je suis une vieille femme? Les idées noires qui reviennent. J'ai des idées de deuil. Ne t'en étonne pas. Comment songer à mes toilettes et à mes fourrures quand monsieur est en prison? Si l'appartement vous paraît trop triste... Oh, madame. Vous n'avez aucune raison de partager mon malheur, je vous l'accorde. Nous n'abandonnerons jamais, madame. Après tout ce que madame a fait pour nous... Je le sais, Solange. Étiez-vous très malheureuse? Vous êtes un peu mes filles. Avec vous, la vie me sera moins triste. Nous partirons pour la campagne. Vous aurez les fleurs du jardin. Vous n'aimez pas les jeux, vous ne riez jamais à la campagne, vous serez tranquille. Je vous dorloterai, et plus tard, je vous laisserai tout ce que j'ai. D'ailleurs, que vous manque-t-il? Rien qu'avec mes anciennes robes, vous pourriez être vêtues comme des princesses. Et mes robes, à quoi serviraient-elles? J'abandonne la vie élégante. Le tilleul est prêt. Adieu les bals. Les soirées, le théâtre, c'est vous qui hériterez de tout cela. Que madame conserve ses toilettes. Comment? Madame devra même en commander de plus belles. Et comment courrais-je le couturier? Je viens de l'expliquer à ta sœur. Il me faudra une toilette noire pour mes visites au parloir. Madame sera très élégante. Son chagrin même lui donnera de nouveaux prétextes. Et tu as sans doute raison. Je continuerai à m'habiller pour monsieur. Mais il faudra que j'invente le deuil de l'exil de monsieur. Je le porterai plus somptueux que celui de sa mort. Et vous m'aiderez en portant mes vieilles robes. En vous les donnant, j'attirerai peut-être la clémence sur monsieur. On ne sait jamais. Madame. Le tilleul est prêt, madame. Pose-le. Je le boirai tout à l'heure. Vous aurez mes robes. Je vous donne tout. Jamais nous ne pourrons remplacer, madame. Si madame connaissait nos précautions pour arranger ses toilettes. L'armoire de madame, c'est pour nous comme la chapelle de la Sainte Vierge. Quand nous l'ouvrons... Le tilleul va refroidir. Nous l'ouvrons à deux battants nos jours de fête. Nous pouvons à peine regarder les robes. Nous n'avons pas le droit. L'armoire de madame est sacrée. C'est... sa grande penderie. Vous bavardez et vous fatiguez, madame. C'est fini. Ma belle fascination. La plus belle...
pauvre Belle. Elle avait été spécialement dessinée pour moi. Spécialement. Tiens, je vous la donne. Je t'en fais cadeau, Claire. Oh ! Madame me la donne, vraiment ? Mais bien sûr, puisque je te le dis. Madame est trop bonne. Vous pouvez remercier Madame depuis le temps que vous l'admiriez. Jamais je n'oserais la mettre. Elle est si belle. Tu pourras la faire retailler. Dans la traîne seulement, il y a le velours des manches. Et elle sera très, très chaude. Telle que je vous connais, je sais qu'il vous faut des étoffes solides. Et toi, Solange, qu'est-ce que je peux te donner? Je vais te donner... Tiens. Bernard. Le manteau de parade. Quelle parade? Claire veut dire que Madame ne le mettait qu'aux grandes occasions. Pas du tout. Enfin. Vous avez de la chance qu'on vous donne des robes. Moi, si j'en veux, je dois les acheter. Mais j'en commanderai des plus riches et des plus belles chez Gray. Afin que le deuil de monsieur soit plus magnifiquement conduit. Madame est belle. Non. Ne me remerciez pas. Il est si agréable de faire des heureux autour de soi. Quand je ne songe qu'à faire du bien, qui peut être assez méchant pour me punir? Et me punir de quoi? Je me croyais si bien protégée de la vie, si bien protégée par votre dévouement, si bien protégée par monsieur. Et toute cette coalition d'amitié n'aura pas réussi une barricade assez haute contre le désespoir. Je suis désespérée. Des lettres que je suis seule à connaître. Solange. Oui, madame. Quoi? Oh. Tu fais des révérences à Claire. Oh, comme c'est drôle. Je vous croyais moins disposée à la plaisanterie. Le tilleul, madame. Solange, je t'appelais pour te demander... Tiens. Et qui a encore dérangé la clé du secrétaire? Pour te demander ton avis. Qui a pu envoyer ces lettres? Mais aucune idée, naturellement. Vous êtes comme moi, aussi éberluée. Mais la lumière sera faite, mes petites. Monsieur saura débrouiller le mystère. Je veux qu'on analyse l'écriture et qu'on sache qui a pu mettre au point une pareille machination. Le récepteur. Et qui a encore décroché le récepteur et pourquoi? On a téléphoné? C'est moi. C'est quand monsieur... Monsieur? Quel monsieur? Parlez! Quand monsieur a téléphoné. De prison? Monsieur a téléphoné de prison? Nous voulions faire une surprise à madame. Monsieur est en liberté provisoire. Il attend madame au bilboquet. Oh, si madame savait. Madame ne nous pardonnera jamais. Et vous ne disiez rien! Une voiture. Solange. Vite, une voiture. Mais dépêchez, toi. Cours, voyons. Ma fourrure. Mais plus vite. Vous êtes folle, hein? Ou c'est moi qu'il devient?
Et quand a-t-il téléphoné? 5 minutes avant le retour de madame. Il fallait me parler. Oh, cette gueule qui est froid. Jamais je ne pourrai attendre le retour de Solange. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que je viens de dire. Il était très calme. Lui, toujours. Sa condamnation à mort le laissera insensible. C'est une nature. Et ensuite? Rien. Il a dit que le juge le laissait en liberté. Mais comment peut-on sortir du palais de justice à minuit? Les juges travaillent si tard. Quelquefois beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Et comment le sais-tu? Je suis au courant, je lis détective. Ah oui. Tu es comme c'est curieux. Tu es vraiment une drôle de fille, Claire. Il pourrait se dépêcher. Et tu n'oublieras pas de faire recoudre la doublure de mon manteau. Je le porterai demain au fourreur. Et les comptes? Les comptes de la journée? J'ai le temps, montre-les-moi. C'est Solange qui s'en occupe. C'est juste. D'ailleurs, je la tête à l'envers. Je les verrai demain. Approche un peu. Approche. Assieds-toi. Mais tu es fardée? Mais Claire, tu te fardes. Madame... Non, ne mens pas. D'ailleurs, tu as raison. Vis, ma fille. Ris. C'est en l'honneur de qui? À vous. J'ai mis un peu de poudre. Ce n'est pas de la poudre, c'est du fard. C'est de la cendre de rose. Un vieux rouge dont je ne me sers plus. Et tu as raison. Tu es encore jeune. Embellis-toi, ma fille. Arrange-toi. Et que fait-elle? Il est minuit et elle ne revient pas. Les taxis sont rares. Elle a dû courir en chercher jusqu'à la station. Tu crois? Je ne me rends pas compte du temps. Le bonheur m'affole. Monsieur téléphonant qu'il est libre. Et à une heure pareille. Madame devrait s'asseoir. Je vais réchauffer le tilleul. Mais non, 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 je n'ai pas soif. Cette nuit, c'est du champagne que nous allons boire. Et nous ne rentrerons pas. Vraiment? Un peu de tilleul. Je suis déjà trop énervée. Justement. Vous ne nous attendrez pas, surtout, Solange et toi. Montez-vous coucher tout de suite. Mais se réveille. Qu'est-ce qu'il fait là? D'où vient-il? Le réveil? C'est le réveil de la cuisine. Ça? Je l'ai jamais vu. Il était sur l'étagère, il y est depuis toujours. Il est vrai que la cuisine m'est un peu étrangère. Vous y êtes chez vous? C'est votre domaine. Vous en êtes les souverains. Et je me demande pourquoi vous l'avez apporté ici. C'est Solange pour le ménage. Elle n'ose jamais se fier à la pendule. Elle est l'exactitude même. Je suis servie par les servantes les plus fidèles. Nous adorons madame. Et vous avez raison. Que n'ai-je pas fait pour vous? Madame nous avait tués comme des princesses. Madame a soigné Claire. Solange. Car madame nous confondait toujours. Madame nous enveloppait de sa bonté. Madame nous permettait d'habiter ensemble, ma sœur et moi. Elle nous donnait les petits objets dont elle ne se sert plus.
Elle supporte que le dimanche nous allions à la messe et nous placions sur un prie-dieu près du sien. Écoute, écoute. Elle accepte l'eau bénite que nous lui tendons et parfois, du bout de son gant, elle nous en offre. Le taxi. Elle arrive. Hein? Que dis-tu? Je me récite les bontés de madame. Que d'honneur. Que d'honneur. Et de négligence. Vous les chargez de roses, mais n'essuyez pas les meubles. Madame n'est pas satisfaite du service? Mais très heureuse, Claire. Et je pars. Madame prendra un peu de tilleul, même s'il est froid. Tu veux me tuer avec ton tilleul, tes fleurs, tes recommandations. Ce soir... Un peu seulement. Ce soir, je boirai du champagne. Du tilleul. Versé dans le service de gala. Et pour quelle solennité. Madame. Enlevez ces fleurs, emportez-les chez vous et reposez-vous. Monsieur est libre, Claire. Monsieur est libre et je vais le rejoindre. Madame. Madame s'échappe. Emportez-moi ces fleurs. Car madame est bonne. Madame est belle. Madame est douce. Et nous ne sommes pas des ingrates. Et tous les soirs, dans notre mansarde, comme l'a bien ordonné madame, nous prions pour elle. Jamais nous n'élevons la voix. Et devant elle, nous n'osons même pas nous tutoyer. Et si madame nous tue avec sa douceur, avec sa bonté, madame nous empoisonne. Car madame est bonne, madame est belle, madame est douce. Elle nous permet un bain chaque dimanche et dans sa baignoire. Elle nous tend quelquefois une dragée. Elle nous comble de fleurs fanées. Madame prépare nos tisanes. Madame parle de monsieur à nous en faire chavirer. Car madame est bonne. Madame est belle. Madame est douce. N'a pas bu. Évidemment, il fallait s'y attendre. Tu as bien travaillé. J'aurais voulu t'y voir. Tu pouvais te moquer de moi. Madame s'échappe. Madame nous échappe, Claire. Mais comment pouvais-tu la laisser fuir? Elle va revoir monsieur et tout comprendre. Nous sommes perdus. Ne m'accable pas. J'ai versé le gardénal dans le tilleul. Elle n'a pas voulu le boire. Et c'est ma faute. Comme toujours. Car ta gorge brûlait d'annoncer la levée des crocs de monsieur. La phrase a commencé sur ta bouche. Elle s'est achevée sur la tienne. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai voulu retenir les mots. Ah, mais ne renverse pas les accusations! J'ai travaillé pour que tout réussisse. Pour te donner le temps de tout préparer, j'ai descendu l'escalier le plus lentement possible. J'ai passé par les rues les moins fréquentées. J'y trouvais des nuées de taxis. Je ne pouvais plus les éviter. Je crois que j'en ai arrêté un sans m'en rendre compte. Et pendant que j'étirais le temps, toi, tu perdais tout. Tu lâchais, madame. Il ne nous reste plus qu'à fuir.
Emportons nos effets, sauvons-nous! Toutes les ruses étaient inutiles. Nous sommes maudites. Maudites! Tu vas recommencer tes sottises! Tu sais ce que je veux dire? Tu sais bien que les objets nous abandonnent. Les objets ne s'occupent pas de nous! Il ne faut que cela. Je les ai vus sur le point de tout dévoiler à madame. Après le téléphone, c'était à nos lèvres de nous trahir. Il n'a pas comme moi assisté à toutes les découvertes de madame. Car je l'ai vue marcher vers la révélation. Elle n'a rien deviné, mais elle brûle. Tu l'as laissé partir. Nous avons perdu. C'est trop tard. Tu ne crois pas que nous allons rester comme cela dans l'angoisse? Ils rentreront demain tous les deux. Ils sauront d'où venaient les lettres. Ils sauront tout. Tout! Mais tu n'as donc pas vu comme elle étincelait? Sa démarche dans l'escalier, sa démarche victorieuse, son bonheur atroce, toute sa joie sera faite de notre honte. Son triomphe, c'est le rouge de notre honte. Sa robe, c'est le rouge de notre honte. Il est bien temps de vous plaindre. Votre délicatesse se montre au bon moment. Trop lasse. Il est évident que des bonnes sont coupables quand madame est innocente. Il est si simple d'être innocent, madame. Mais moi, si je m'étais chargée de votre exécution, je jure que je l'aurais conduite jusqu'au bout. Mais Solange... Jusqu'au bout. Ce tilleul empoisonné, ce tilleul que vous osiez me refuser de boire, j'aurais desserré vos mâchoires pour vous forcer à l'avaler. Me refuser de mourir, vous, quand j'étais prête à vous le demander à genoux, les mains jointes et baisant votre robe. Il n'était pas aussi facile d'en venir à bout. Vous croyez? J'aurais su vous rendre la vie impossible. Et je vous aurais contrainte à venir me supplier de vous offrir ce poison que je vous aurais peut-être refusé. De toute façon, la vie vous serait devenue intolérable. Solange, vous m'irritez. Car je vous confonds, Claire ou Solange. Vous m'irritez. Et me portez vers la colère. Car c'est vous que j'accuse de tous nos malheurs. Osez le répéter. Je vous accuse d'être coupable du plus effroyable des crimes. Vous êtes folle ou ivre? Car il n'y a pas de crime, Claire. Je te défie de nous accuser d'un crime précis. Nous l'inventerons donc, car... Vous voulez m'insulter? Ne vous gênez pas! Crachez-moi à la face! Couvrez-moi de... d'ordure. Vous êtes belle. Passé sur les formalités du début, il y a longtemps que vous avez rendu inutiles les mensonges, les hésitations qui conduisent à la métamorphose. Presse-toi. Presse-toi, je n'en peux plus des doutes et des humiliations. Le monde peut nous écouter, sourire, rousser les épaules, nous traiter de folles et d'envieuses. Je frémis. Je frissonne de plaisir, Claire. Hennir de joie. Vous êtes belle. Commence les insultes. Vous êtes belle. Passons. Passons le prélude aux insultes.
Vous m'éblouissez. Je ne pourrai jamais. J'ai dit les insultes! Vous n'espérez pas m'avoir fait revêtir cette robe pour m'entendre chanter ma beauté. Couvrez-moi de haine, de crache. Aidez-moi! Je hais les domestiques. J'en hais l'espèce odieuse et vile. Les domestiques n'appartiennent pas à l'humanité, ils coulent. Ils sont une exhalaison qui traîne dans nos chambres, dans nos corridors, qui nous pénètre, nous entre par la bouche, qui nous corrompt. Moi, je vous vomis. Je monte, je monte. Je sais qu'il en faut comme il faut des fossoyeurs, des vidangeurs, des policiers. N'empêche que tout ce beau monde est fétide. Continuez, continuez. Oh, gueule d'épouvante et de remords, vos coudes plissés, vos corsages démodés, vos corps pour porter nos défroques. Vous êtes nos miroirs déformants, notre soupape, notre honte, notre lit. Continuez, continuez. Je suis au bord. Presse-toi, je t'en prie. Vous êtes... Vous êtes... Mon Dieu, je suis vide. Je ne trouve plus. Je suis à bout d'insultes. Claire, vous m'épuisez. Laissez-moi sortir! Nous allons parler au monde! Qu'ils se mettent aux fenêtres pour nous voir. Il faut qu'ils nous écoutent. Les gens d'en face vont nous voir. J'espère bien. Il fait bon. Le vent m'exalte. Solange, Solange, reste avec moi. Rentre. Je suis au niveau. Madame avait pour elle son champ de tourterelles. Ses amants, son laitier. Solange. Silence. Son laitier matinal, son messager de l'aube, son tocsin délicieux, son maître pâle et charmant, c'est fini. En place pour le bal. Qu'est-ce que tu fais? J'en interromps le cours. À genoux. Tu vas trop loin. À genoux. Puisque je sais à quoi je suis destinée. Vous me tuez. Je l'espère bien. Mon désespoir me fait indomptable. Je suis capable de tout. Ah, nous étions maudites. Tais-toi. Vous n'aurez pas allé jusqu'au crime. Solange. Ne bougez pas. Que madame m'écoute. Vous avez permis qu'elle s'échappe. Vous. Quel dommage que je ne puisse lui dire toute ma haine, que je ne puisse lui raconter toutes nos grimaces. Mais toi, si lâche, si sotte, tu l'as laissée s'enfuir. En ce moment, elle sable le champagne. Ne bougez pas! Ne bougez pas! Laisse-moi sortir. Ne bougez pas. Je vais avec vous peut-être découvrir le moyen le plus simple et le courage, madame, de délivrer ma sœur et du même coup me conduire à la mort. Que vas-tu faire? Je t'en prie, Claire, réponds-moi. Solange, arrêtons-nous, je n'en peux plus, laisse-moi. Je continuerai seule, seule, ma chère. Ne bougez pas! Quand vous aviez de si merveilleux moyens, il était impossible que madame s'en échappât. Et cette fois, je vais en finir avec une fille aussi lâche! Solange! Solange, au secours! Au secours! Hurlez, si vous voulez! Poussez même votre dernier cri! Madame!
Enfin, madame est morte! Étendue sur le linoléum! Étranglée par les gants de la vaisselle! Madame peut rester assise! Madame peut m'appeler mademoiselle Solange! Justement! C'est à cause de ce que j'ai fait! Madame et monsieur m'appelleront mademoiselle Solange Le Mercier! Et qui? Qui pourrait me faire taire? Qui aurait le courage de me dire ma fille? J'ai servi! J'ai eu les gestes qu'il faut pour servir. J'ai souri à madame. Je me suis penchée pour faire le lit, penchée pour laver le carreau, penchée pour éplucher les légumes, pour écouter aux portes, coller mon œil aux serrures. Mais maintenant, je reste droite et solide. Je suis l'étrangleuse, mademoiselle Solange, celle qui étrangla sa sœur. Me taire. Madame est délicate, vraiment. Mais j'ai pitié de madame. J'ai pitié de la blancheur de madame, de sa peau satinée, de ses petites oreilles, de ses petits poignets. Je suis la poule noire, j'ai mes juges. J'appartiens à la police. Claire! Elle aimait vraiment beaucoup, 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 madame. Non, monsieur l'inspecteur. Je n'expliquerai rien devant eux. Ces choses-là ne regardent que nous. Cela, ma petite, c'est notre nuit à nous. Ni vous ni personne ne saurait rien. Sauf que cette fois, Solange est allée jusqu'au bout. Vous la voyez vêtue de rouge? Elle va sortir. Sortir, descendre le grand escalier. La police l'accompagne. Mettez-vous au balcon pour la voir marcher entre les pénitents noirs. Il est midi. Elle porte alors une torche de 9 livres. Le bourreau la suit de près. À l'oreille, il lui chuchote des mots d'amour. Le bourreau m'accompagne, Claire! Le bourreau m'accompagne! Elle sera conduite en cortège par toutes les bonnes du quartier, par tous les domestiques qui ont accompagné Claire à sa dernière demeure. On porte des couronnes, des fleurs, des oriflammes, des banderoles. On sonne le glas. L'enterrement déroule sa pompe. Il est beau, n'est-ce pas? Viennent d'abord les maîtres d'hôtel en frac, sans revers de soie. Ils portent leur couronne. Viennent ensuite les valets de pied, les laquais en culottes courtes et bas blancs. Ils portent leur couronne. Viennent les valets de chambre, puis les femmes de chambre portant nos couleurs. Viennent les concierges. Viennent encore les délégations du ciel. Et je les conduis. Le bourreau me berce, on m'acclame, je suis pâle, et je vais mourir. Que de fleurs.
que de fleurs. On lui a fait un bel enterrement, n'est-ce pas, Claire? Oh, Claire, ma pauvre petite Claire. Maintenant, nous sommes Mademoiselle Solange Lemercier, la femme Lemercier, la Lemercier, la fameuse criminelle. Claire. Nous sommes perdus. Fermez la fenêtre et tirez les rideaux, bien. Il est tard. Tout le monde est couché. Ne continuons pas. Je verserai mon tilleul. Mais... Je dis mon tilleul. Nous sommes mortes de fatigue. Il faut cesser. Ah, mais non. Vous croyez ma bonne... Vous en tirez à bon compte? Il serait trop facile de comploter avec le vent, de faire de la nuit sa complice. Mais... Ne discute pas. C'est à moi de disposer en ces dernières minutes. Solange, tu me garderas en toi. Mais non, tu es folle. Nous allons partir. Vite, Claire, ne restons pas. L'appartement est empoisonné. Reste. Claire, tu ne vois pas comme je suis. Pâle comme je suis faible. Tu es lâche. Obéis-moi. Nous sommes tout au bord, Solange, nous irons jusqu'à la fin. Tu seras seule pour vivre nos deux existences. Il te faudra beaucoup de force. Personne ne saura au bagne que je t'accompagne en cachette. Et surtout, quand tu seras condamnée, n'oublie pas que tu me portes en toi. Sont belles, libres et joyeuses. Alors, nous n'avons plus une minute à perdre. Répète avec moi. Parle, mais tout part. Madame devra prendre son tilleul. Non, je ne veux pas. Garce, répète. Madame prendra son tilleul. Madame prendra son tilleul. Car il faut qu'elle dorme. Car il faut qu'elle dorme. Et que je veille. Et que je veille. Je répète, ne m'interromps plus. Tu m'écoutes, tu m'obéis. Je répète, mon tilleul. Mais... Je dis mon tilleul. Mais madame... Bien. Continue. Mais madame, il est froid. Je le boirai quand même. Donne.
la verser dans le service